Bonjour, alors mon nom est Vincent Leblanc de Violon et Champignons et je vous présente mon collègue Francis Gendron de l'Art des Solutions. Et nous avons une excellente nouvelle pour vous car il y a un nouveau cours qui s'appelle Les technologies du futur. Alors ce cours traitera des technologies pour un avenir durable. D'ailleurs, Vincent, de quoi tu vas nous parler dans ce cours? Moi, je vais vous parler de la polyculture, la permaculture, la culture des champignons et aussi de l'aquaponie. L'aquaponie vient du mot aquaculture et hydroponie. Les deux mots mis ensemble donnent le mot aquaponie. Voyez-vous une raison pourquoi pour que la zone 1 soit sèche? Yes, les algues. C'est qui a dit ça? Super. Si t'as des algues, au lieu de fertiliser tes plantes, tu vas faire pousser des algues. C'est pas ça qu'on veut. On veut faire pousser des plantes. Moi, je vais vous parler des bâtiments écologiques. Plus précisément, des Earthships et des 6 principes qui les rendent si exceptionnels. On va voir comment ces 6 principes-là peuvent être utilisés pour améliorer les bâtiments existants ou pour construire des nouvelles maisons. Ensuite, on va également voir les serres solaires passives et tout le potentiel qu'elles ont, surtout lorsque combinées avec l'aquaponie. Dernièrement, on va parler des tiny houses ou des micro-maisons qui permettent à quelqu'un qui a peu d'argent d'avoir une maison et d'être très confortable pour une fraction du prix. Quel serait un bon exemple de masse thermique qui serait intéressant, qui coûte pas cher, qui est infini et qui est un déchet toxique? Les pneus remplis de terre. Puis c'est des technologies qui ont été beaucoup mis de côté à cause que ça coûtait tellement pas cher de chauffer des serres, ça coûtait tellement pas cher le prix du pétrole, était tellement pas cher pendant tellement longtemps de l'énergie en général, que ça valait comme pas la peine de, en parenthèse, se compliquer la vie. Pour plus d'informations, venez voir mon site internet solutionera.com. Visitez aussi le violonetchampignons.com ainsi que nos pages Facebook. Joignez-vous à nous pour faire partie du changement. Au plaisir de vous voir.